Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, le président de la République de retour hier au pays après une visite au Sultanat d'Oman, visite qui a permis de consolider les relations bilatérales à plusieurs niveaux. Nous sommes à la veille de la commémoration du déclenchement de la guerre de libération nationale. Tout un dossier y est consacré dans cette édition. Hasard du calendrier, le Moudjahed des colonels Tahar Zbiri est inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia. Il a notamment été chef de la Wilaya 1 historique. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, reçoit ce jeudi son homologue brésilien, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Retour enfin sur la visite du président français au Maroc, une visite qui a illustré la décadence de la diplomatie de ce pays et dénonce l'élite et une partie de la classe politique française. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné hier soir Alger après une visite de 3 jours au Sultanat d'Oman, visite durant laquelle les relations bilatérales ont été consolidées, aussi bien au niveau diplomatique qu'économique. Sophia Boukercha. Les discussions ont abouti à l'approbation de plusieurs initiatives, notamment la création d'un fonds d'investissement commun à Omano-Algérien qui permettra la réalisation de partenariats dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la pétrochimie, l'agriculture saharienne, la technologie, le tourisme et d'autres secteurs prometteurs. De même qu'il y a eu la signature de 8 mémorandums d'entente dans différents secteurs. Les questions régionales et internationales également abordées par les deux dirigeants qui ont appelé à mettre fin à l'agression israélienne sur les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, tout en soulignant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec le Quds comme capitale. La partie omanaise a salué les efforts de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité pour son soutien aux causes arabes et justes et pour son rôle constructif. De son côté, la partie algérienne a salué le rôle important et central que joue le Sultanat de Oman dans les efforts de paix visant à réduire les tensions et à promouvoir la compréhension et la coopération positive dans la région et dans le monde. Nous sommes à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Une grande parade militaire est prévue demain, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs chefs d'État ont été conviés à l'occasion. Cette guerre contre le colonialisme français a été pensée dans les moindres détails. Le premier appel du Front de libération nationale au peuple algérien s'est fait à travers la déclaration du 1er novembre, à la fois un manifeste et une feuille de route tracée par les architectes de la Révolution. Idir Hachi, historien, en parlait ce matin. Il était l'invité de Neriman Mendil. Le texte de la déclaration du 1er novembre, il exprime son but, l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Il désigne l'ennemi. Notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme. Notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette du Front de libération nationale. Le texte détaille son but, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien, souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Il précise ses moyens, notamment en affirmant le rassemblement et l'organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial, les objectifs extérieurs avec l'internationalisation du problème algérien, la réalisation de l'unité nord-africaine dans son cadre naturel arabo-musulman. Il détaille également les moyens à employer jusqu'à la réalisation de notre but, une action intérieure tant sur le plan politique que de l'action propre et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier. Il ne faut pas oublier la contribution de ceux que l'on appelle les amis de l'Algérie, des hommes et des femmes de plusieurs nationalités, de différentes nationalités, même françaises, qui ont épousé cette cause pour sa noblesse. Esteban Silva, écrivain et analyste chilien, en fait partie. Il est à Alger en cette veille du 1er novembre. Sofia Boukercha l'a rencontré. Le rôle des amis de l'Algérie dans la lutte des Algériens pour leur indépendance a été très important pour faire connaître dans tous les coins de la planète et faire prendre conscience de la lutte anticolonialiste, de la lutte pour l'indépendance qui menait le peuple algérien, qui était une lutte héroïque face à la brutalité, aux crimes de l'humanité qui a commis à l'époque les forces colonialistes françaises. Les amis de l'Algérie, de la révolution algérienne,
Algériens aussi, qui sont portés leur espoir dans tout le monde d'appuyer de façon concrète à l'FLN dans sa lutte, à l'armée de libération nationale, pour qu'ils puissent avancer en frappant l'ennemi et en même temps pour dénoncer les crimes commis. La Direction générale des Archives nationales et l'ambassade de Suisse en Algérie ont organisé conjointement une journée sur la diplomatie de la révolution algérienne, le déroulement des négociations et la médiation suisse pour l'indépendance de l'Algérie. Les intervenants se sont également penchés sur la question de la récupération des archives. Soraya Roslan. Un panel d'élite de professeurs algériens et étrangers ont participé aux activités de cet événement, à l'exemple du chercheur suisse Marc Perrenou ayant animé une conférence portant sur les documents suisses au sujet du 1er novembre. Les interventions ont permis également de mettre en exergue les différentes étapes des négociations à travers les archives, en plus d'exposer des documents dédiés aux archives suisses. Un film documentaire sur le témoignage direct d'un combattant suisse qui a défendu la cause algérienne a été projeté. Il l'a défendu jusqu'au dernier moment de sa vie. Il s'agit du journaliste et écrivain suisse Charles-Henri Favreau, qui a présenté une richesse importante de ses livres écrits et même documents importants relatant les événements de l'époque. En marge de cette activité, une exposition de documents et photos a été organisée, mettant en valeur les valeurs déployées par les membres du GPRA et le rôle joué par le médiateur suisse Olivier Lang au cours de ces négociations, ainsi que les livres et écrits de feu Charles Henri Favreau, sélectionné dans ses archives au Centre national des archives. Du siège du Centre national des archives nationales, Soraya Roslan, Al-Jeshan 3. Ils n'ont certes pas connu la révolution, mais sont parfaitement conscients des sacrifices de leurs aînés. 70 ans après, la symbolique de cette date est intacte auprès des jeunes. L'exemple à Mostaganem avec notre correspondante Yamina Hamdout. De nombreux jeunes portent haut cette mémoire nationale et se montrent conscients des grands sacrifices consentis par leurs aînés. Pour la révolution du 1er novembre, c'est certes une date emblématique. C'est une date qui nous dit beaucoup. C'est aussi l'occasion de se rappeler du Moujahid et du Shuhada. Bon, je pense que la fête du 1er novembre est vraiment symbolique pour nous tous. Et en tant que jeunes, ça nous rappelle le devoir national que nous avons de travailler, de développer le pays de plus en plus et de parler des shuhada et de leur sacrifice envers le pays. C'est une date importante pour tous les Algériens, surtout les jeunes, parce que cette date représente pour nous toute notre histoire en fait. C'est l'occasion de se souvenir des martyrs, de dire à nos enfants, de dire aux autres ce qui s'est réellement passé et de célébrer ça. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Jeshan 3. Et parce que l'on apprend mieux en s'amusant, une multinationale spécialisée dans les nouvelles technologies est en train de développer un jeu vidéo qui relate l'histoire de l'Algérie, un projet mené de concert avec le ministère des Moudjahidines. Sami Aloun. Un groupe de jeunes spécialisés dans les TIC se sont réunis pour développer un jeu vidéo historique donnant vie à plusieurs chapitres de notre glorieuse révolution nationale. Mohamed Harif, directeur associé des studios Capsule Corp. On est en plein réalisation d'un jeu qui relate l'histoire de la guerre d'Algérie avec le ministère des Moudjahidines. C'est un jeu qui a été validé par le ministère après lui avoir proposé l'idée en elle-même. Les joueurs se retrouvent projetés au cœur des événements avec des tâches précises à accomplir pour faire avancer le jeu en question. L'idée, c'était de relater tous les grands combats qui ont été menés durant la guerre d'Algérie dans les différents wilayas. Le jeu a été segmenté en 7 wilayas différentes et chaque wilaya avec son propre leader ou mujahid. Un projet développé avec beaucoup de recherches. Les moindres détails sont surveillés pour renforcer le sentiment d'immersion. Pour ce faire, les jeunes développeurs portent une attention particulière à tout élément pour rendre l'expérience plus réaliste telle que vécue par nos valeureux Shuhada. Abdelmajid Saadawi, directeur de production au sein de l'entreprise Capsule Corp. En ce qui concerne l'histoire du jeu, nous devions être très minutieux par rapport à l'histoire, aux armes, aux tenues. Sachant que c'est un sujet très important et surtout, quelque chose d'assez important, c'est les visages des Moudjahidines. Nous devions être le plus fidèle possible pour avoir la forme du visage, les traits ainsi que les mimiques. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement et du soutien des startups pour réaliser leurs projets au service de la mémoire nationale, tout en transmettant les messages historiques aux jeunes, à la nouvelle génération.
Le 1er novembre est généralement l'occasion d'inaugurer de nouveaux projets d'utilité publique. Une opération de relogement, une opération d'envergure est prévue dimanche à travers plusieurs wilayas. En attendant, à Constantine, des écoles, des cantines scolaires et des centres de santé de proximité sont mis en service à l'occasion de cet anniversaire. Hayet Kerbois. Un riche programme répondant aux préoccupations des citoyens et qui couvre tous les secteurs. Écoutons Abdelhaq Sayouda, wali de Constantine. 150 projets. En premier lieu, le secteur des travaux publics, le désenclavement de certaines régions, revêtement des routes, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, distribution de logements sociaux et autres formules de logement, des infrastructures sociales, sportives, culturelles, culturel et scolaire. Le 70e anniversaire de la Révolution de novembre a vu également la célébration ici à Constantine du 40e anniversaire de la création de l'Université Amir Abdelkader des sciences islamiques et l'inauguration officielle par le ministre des Affaires religieuses de deux mosquées emblématiques de la ville, à savoir Jama'a Sidi Lakhdar et la mosquée Arba'in Sharif. Par ailleurs, les projets qui marquent les festivités de ce grandiose anniversaire ont touché les 12 communes de la wilaya, à l'instar de la commune de Ain Abid, distante de quelques 40 km du chef-lieu de wilaya, Abdelkader Sayouda, wali de Constantine. Parmi les projets de cette commune, nous avons posé la première pierre pour un lycée, ainsi qu'un ensemble de logements de 4000 unités et une polyclinique. Nous avons également mis en service aujourd'hui le réseau de distribution d'eau potable, dont un réservoir d'une capacité de 3500 m3. Enfin, et pour ce soir, la cérémonie de la levée du drapeau national se déroulera à la place Ahmed Bey. Constantine Hayez Kerboua, Al-Jishan 3. Et à Biskra, toutes les activités culturelles de ce week-end s'articulent autour du 1er novembre. Abdelhamid Zakiri, notre correspondant sur place. Biskra, capitale de la wilaya 6 historique, vit au rythme de ce grand événement et se pare de ses plus beaux atours pour mettre en exergue les réalisations et l'importante métamorphose d'une région qui s'est hissée avec beaucoup d'orgueil d'une région isolée à celle d'une région agricole d'excellence, d'une zone touristique attrayante, d'un pôle scientifique en plein essor et d'un carrefour de rencontres pour toute la jeunesse d'Algérie. Là, ce sont les fruits cueillis et accueillis résultant de sacrifices de nos valeureux combattants. Pour cela, à Biskra, depuis quelques jours, toutes les activités sont organisées sous le label du 1er novembre 1954. Théâtre, opérette, tournois sportifs, soirées poétiques, expositions de peinture, conférences et débats littéraires contribuent au travail de mémoire auquel participent et assistent toutes les catégories d'âge, les enfants en particulier. Pour que la fête soit totale, ce sont des centaines de logements qui seront distribués de Biskra à Abdelhamid Skiri pour Al-Jishan 3. Hasard du calendrier, en cette veille du 1er novembre, le Moudjahed et colonel Tahar Zbiri, chef de la wilaya historique 1 et ancien membre du Conseil de la Nation, est inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Halia. Hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt. Condoléances également du chef d'état-major de la ANP, Saïd Chingriha, du président du Conseil de la Nation et du président de l'Assemblée populaire nationale. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingriha, reçoit ce jeudi son homologue brésilien selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Quatre ministres participent aujourd'hui à une journée d'information sur le lancement effectif des zones de libre-échange continentale, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Il s'agit du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances ainsi que celui des Transports. Dans un effort conjoint pour promouvoir la préservation et le développement des semences locales, un atelier a été organisé aujourd'hui au siège de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Cet événement est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Agriculture et la FAO. Ibtihal Adoud. L'objectif est de soutenir la préservation des variétés locales de légumes et à encourager la production de semences adaptées aux conditions climatiques et au sol. La conservation de la diversité génétique des légumes locaux devient essentielle pour garantir une sécurité alimentaire durable et résiliente. Hanan Labid, directrice de la valorisation et de la promotion des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Ce projet s'inscrit dans la politique du gouvernement algérien qui est assurer l'autosuffisance
et de là la sécurité alimentaire. C'est très important parce que ça rentre dans la souveraineté nationale. C'est par rapport à ça qu'on a rassemblé tous les intervenants du secteur de l'agriculture, des autres secteurs, pour consolider nos acquis, partager les expériences et faire réussir ce programme ou ce projet d'intérêt national. La conservation des semences locales n'est pas seulement une question de préservation de la biodiversité, mais aussi un levier pour renforcer l'économie locale et soutenir l'autonomie des agriculteurs. Irina Couplet-Vatskaya, représentante de la FAO en Algérie. Les semences locales, c'est le porteur d'une partie de connaissances et de savoir-faire traditionnels, mais c'est aussi la possibilité de rendre la production agricole plus résiliente, parce que les semences locales, c'est la semence qui est plus adaptée aux conditions écologiques. Ça peut aussi apporter les meilleurs goûts pour assurer notre sécurité alimentaire. Cet atelier marque une étape importante dans la mise en place d'un réseau de conservation des semences locales. Le partenariat avec la FAO permettra de mobiliser des ressources et de renforcer les capacités des chercheurs et des agriculteurs locaux, offrant ainsi une perspective encourageante pour l'avenir de l'agriculture. À l'étranger, les forces d'occupation sionistes ont démoli il y a quelques heures le bureau de l'UNRWA dans le camp de Nour al-Shams à l'est de Tulkarem. Le chef du comité des services de ce camp a déclaré lors d'un appel téléphonique avec l'agence de presse palestinienne que les bulldozers de l'occupation ont démoli le bureau de l'UNRWA situé au centre de ce camp et balayé ses murs extérieurs. Le projet de communiqué de presse initié par l'Algérie pour soutenir l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a été approuvé à l'unanimité hier par les membres du Conseil de sécurité. L'Algérie avait condamné avec la plus grande fermeté l'adoption par l'entité sioniste de deux lois visant à bloquer les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. La visite d'Emmanuel Macron au Maroc dénoncée par l'élite et une partie de la classe politique française. Certaines l'ont qualifiée de très coûteuse et d'inutile. L'élite française considère que Emmanuel Macron a porté un coup dur à la politique étrangère en faisant des déclarations farfelues. Éclairage de François Géré, historien et président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Il ne faut pas que les relations de Mme Rachida Dati prennent de l'importance par rapport à un enjeu national. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a sur le territoire français des citoyens français qui sont d'origine marocaine, qui sont d'origine algérienne. La diplomatie française, qui aujourd'hui, malheureusement, est quasiment inexistante, elle est représentée par le président de la République qui veut tout faire lui-même et qui change d'avis assez fréquemment. Je pense que ces déclarations était absolument inutile et qu'on a voulu donner de l'importance à ce qui, au final, dans 6 mois, 1 an, montrera ne pas avoir une très grande importance. Les Français sont un petit peu incertains de leur avenir. Ils attendent un président, un gouvernement qui soit cohérent. Le président français Emmanuel Macron qui a foulé du pied le droit international en faisant des déclarations sur le dossier Sahraoui. Décryptage de Baptiste Renissa, analyste spécialiste des relations internationales. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Il faut rappeler d'abord que le Merzen considère et mesure la qualité de ses relations internationales à travers le prisme du Sahara occidental. Et la France, à ce sujet, a fait figure de bon élève, bien docile, conciliant et même aplavantrice, semant le trouble et l'incompréhension. Aujourd'hui, Macron a franchi le Rubicon et change la doxa elle-même diplomatique française en optant pour la politique du troc. Il s'est dirigé en juge et parti et se met même à distribuer des titres de propriété, ou dois-je dire même des titres d'expropriation factice, est tellement pernicieux, puisque se cache derrière, en toile de fond de ses gesticulations, un échange de bons procédés, un pseudo-cautionnement territorial contre des contrats, la promotion de la colonisation contre la promotion de la francophonie, l'influence notamment française en Afrique est en recul. Donc un postulat très symptomatique qui n'honore pas la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, qui, par ce comportement immature et irresponsable, se met à dos du droit international et veut même se substituer à l'ONU et ses résolutions pourtant en la faveur du peuple sahraoui et le Sahara occidental, que je rappelle dernière colonie africaine. Voici donc concernant la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Les opérations de recherche de survivants se poursuivent ce jeudi dans le sud-est de l'Espagne, sous le choc après les pires inondations depuis plus de 50 ans dans le pays. Elles ont fait 95 morts et plusieurs disparus. En plus des pompiers, des policiers, des secouristes, 1200 militaires ont été déployés sur le terrain, principalement dans le sud de Valence, la région la plus sinistrée par ces pluies torrentielles.
Nous vous le disions au début de cette édition, le dossier de ce journal est consacré à la commémoration du 1er novembre 1954, la résistance qui a pris différentes formes à l'époque, y compris artistique. Une troupe a alors été formée, la fameuse troupe du FLN. Sid Ali Fares. Qu'est-ce qui réunit Mustafa Kateb, Sid Ali Kouirat, Mohamed Boudia, Jaffar Beck, Abdelhalim Raïs et d'autres artistes? Le quatrième art, la passion de la scène, mais encore la troupe artistique du FLN. Le FLN a chargé en 1958 Mustafa Kateb de constituer une troupe artistique du FLN après l'appel du congrès de la Soumane. Mustafa Kateb fera appel aux hommes de théâtre, musiciens, chanteurs les plus en vue de l'époque pour constituer un véritable groupe ambassadeur qui représentera la cause algérienne. Caporal Brahim Ben Brahim, matricule 7402, premier régiment tirailleur algérien. Mahwal Nour était la première pièce produite par la troupe artistique du FLN, écrite par Abdelhalim Raïs, présentée en Tunisie en 1958. Une pièce qui aura un grand succès. Abdelhalim Raïs a réalisé aussi une trilogie, Aoulad al-Qasaba, Al-Khalidoun et Dam al-Ahrar. Tahal Amali, de son vrai nom, Abdelrahman Bastanji, doyen des comédiens algériens, revient sur ses débuts. Quand je suis arrivé à un âge où j'ai eu la possibilité de prendre contact avec Mahidine, il m'a encouragé en m'engageant. Comment vous êtes rentré dans la troupe artistique du FLN? J'étais PPR à l'âge de 17 ans et demi, 47, j'étais dans l'os. Et puis j'ai été détaché pour le théâtre en 1949 dans la troupe du MTLD. C'était quoi votre fonction dans la troupe? J'étais chef de cellule FLN de la troupe du FLN. Vous avez joué comme comédien dans cette troupe? Oui, j'ai joué dans le film des enfants de la Casbah. J'avais le personnage principal dans le Khalidoun. J'avais le principal personnage dans le Dam al-Ahrar. La troupe artistique du FLN a réalisé une tournée dans des pays amis et arabes, comme l'Égypte, la Libye, la Chine et d'autres encore. La troupe artistique du FLN a incarné le slogan généreux « Il n'y a qu'un seul héros, le peuple ». Et je vous rappelle qu'hier, une épopée théâtrale de grande envergure intitulée « Rouh al-Jazayir, l'âme de l'Algérie » du réalisateur Ahmed El-Zerk a été présentée à la coupole Mohamed Boudia. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Adlan était à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo.